Chers téléspectateurs, 5 de pique célèbre le peintre Kamel Lütfi. Né en 1938 à Saïda, Kamel Lütfi est un peintre expressionniste de la deuxième génération. Comme beaucoup d'apprentis à cette époque, il se forme d'abord dans un studio privé. De 1945 à 1958, il fréquente en effet l'atelier de Rachid Wehbe à Beyrouth. Ce dernier a lui-même été l'élève du maître Habib Esrour. Retrouvez sur YouTube les épisodes que nous leur avons consacrés. Kamel Lütfi poursuit des études de dessin et de peinture à l'Institut des Beaux-Arts de l'Université libanaise de 1968 à 1972. Il rejoint ensuite le corps professoral de l'institution. Il enseigne également à l'Université arabe de Beyrouth. En 1979, le peintre tient sa première exposition individuelle à l'Association des artistes libanais. Il sera élu membre du conseil d'administration de l'organisme à plusieurs reprises. Kamel Lütfi participe à de nombreuses expositions collectives au Liban et en France. Ses œuvres figurent dans des collections publiques et privées à Beyrouth, Paris, Londres et aux États-Unis. 5 de pique vous présente Evening View. La gouache a été réalisée par Kamel Lütfi en 1970. L'œuvre appartient à la collection du ministère de la Culture au Liban. Comme Rachid Wehbe, dont nombre de paysages flirtent avec l'abstraction, Kamel Lütfi livre une vue opaque dont il a le secret. Le chromatisme intense s'explique par l'emploi de la gouache. L'artiste l'apprécie, il n'est pas le seul. Matisse a largement contribué à la réintroduction du médium. Guidant la forme, imprimant le format, la couleur est, dans ce tableau, un ornement. Ce dernier conduit à une harmonie de tons. Pour ce faire, le bleu s'étale sur toute la surface du tableau. À travers lui, le ciel, en vedette, occupe les trois quarts de la toile, quand le sol est à peine évoqué par des feuilles éparpillées. Leur camailleux jaune scintille et atomise les considérations réelles. La vue de nuit célèbre la nature. La contemplation se vit comme une expérience globale, réconciliant tous les éléments. La pleine lune s'expose en rondeur, parcourue par des nuages épais. La symphonie est parfaite avec la présence d'un arbre, signalant la finesse de notre écosystème. La synthèse picturale est domptée d'une main de maître. La forme dépasse la représentation. La couleur est forme, elle est fougue, telle une tribune poétique sensible. Rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, pour partager 5 de pique, coproduction de la Fondation RAM et de Télé Liban, consacrée à l'art et à la lecture graphique d'un environnement.